L'Iran et le Pakistan ont officiellement démarré la construction d'un gazoduc qui reliera les gisements iraniens de Sospars au Pakistan. Ce projet de 7 milliards de dollars a longtemps été différé en raison notamment des pressions exercées par les États-Unis. Les Américains ont toujours lié ce projet et les sanctions contre le programme nucléaire iranien, mettant en garde contre le risque d'y prendre part. Ces pays étrangers qui sont contre le progrès dans la région utilisent l'excuse de notre programme nucléaire pour empêcher l'Iran de progresser. Je veux dire à ces gens que le pipeline n'a aucune connexion avec le dossier nucléaire. Avec du gaz naturel, on ne peut pas faire de bombe atomique. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à sa construction parce qu'elle va dans le sens de la paix, du progrès et de la sécurité dans la région. Ce projet, qui date des années 1990, devait également intégrer l'Inde. New Delhi s'est finalement retiré en 2009, prétextant des problèmes de coûts et de sécurité. Selon la chaîne publique iranienne IRIB, les 900 km de la partie iranienne sont terminés. Il ne reste plus qu'à construire les 750 km du côté pakistanais. Nous devons nous unir et nous entraider. Pour nous entraider, nous devons avoir une économie saine et c'est pourquoi ce gazoduc est un gazoduc indispensable. En ce qui concerne le Pakistan, plus nous prospérons, plus nous pouvons nous entraider et plus le Pakistan prospère, plus le monde est en sécurité. Je veux rappeler cela à tous les pays voisins et au monde aujourd'hui. Une union marquée notamment par le prêt de 500 millions de dollars consenti par Téhéran à Islamabad.